que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seul en face du monde, seul en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène et de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder. Le jeune homme avec qui parle la belle, l'heureuse Ismène, c'est Créon. C'est mon fiancé! Il était mon fiancé. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse, des jeux, son goût du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle que moi. Mais un soir, de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il était venu me trouver, moi, qui rêvais dans un coin, comme en ce moment d'ailleurs. Et il m'avait demandé d'être sa femme. Personne n'avait jamais compris pourquoi, et moi non plus d'ailleurs. Elle a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit avec un petit sourire triste. Oui, je lui ai dit oui. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats avec les autres garçons. Et lui, il allait devenir le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce triple principe lui donnait seulement le droit de mourir. Le vieil homme, là-bas, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Et moi, je suis le messager. C'est moi qui viendrai annoncer la mort des mondes tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas envie de me mêler aux autres. Je sais déjà. Et maintenant que vous les connaissez tous, il va pouvoir vous jouer mon histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Odie, Éthiocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an, chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthiocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Anna, ma stagiaire. Bonjour, madame. Je dois partir enterrer mon frère. Oui, vous avez...
Je me traite comme une vieille bête. Bon,
qu'un autre. Mais ça voudrait qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire. Te battre comme lorsque tu étais petite. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je